La règle de base, jouer en équipe, en véritable équipe, ne pas oublier ses partenaires. Alors évidemment, comme toujours, on attend du spectacle, des envolées, des duels, des buts, mais l'important évidemment, c'est la victoire. Nouvelle occasion de centrer. Un joli centre, bien repoussé de la tête. Encore une belle occasion. Bien joué, ça peut faire un contre. C'est une remise en jeu. Remise en jeu du gardien. Encore une occasion de centrer. C'est malin. Il frappe au but. Belle intervention du gardien sur ce tir à ras de terre. Le hors-jeu est évident. Bien joué de la part du gardien qui capte le ballon. Une longue passe. Le drapeau est levé, le jeu s'arrête. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Boutard. Il a trouvé l'espace. L'adversaire est sous pression avec cette touche. Il se défend bien. Boutard. Magnifique passe en profondeur. Va-t-il trouver le bon timing? C'est vraiment trop loin du cadre. Et si la défense dort maintenant, ils auront plus rien pour la sieste. Hein. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. C'est bien vu, bien anticipé. On joue en percussion sur ce flanc. Boutard. Ouverture aérienne. Superbe défense ici. Pas de tacle irrégulier, allez, on discute pas, il faut jouer.
l'occasion de centrer. Joli dédoublement de la part du défenseur. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Il tente. Le ballon passe loin du poteau gauche. C'est impossible de marquer de là, l'angle est trop fermé. Sort de son but et capte le ballon. Une très longue passe. Joe Bryan. Un ballon repassé en arrière. C'est beaucoup trop imprécis. Non, c'est pas bien ça, coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Il est rentré dans la surface. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Joli dédoublement. La menace est écartée. 15 minutes se sont écoulées. Allez, bien joué. C'est trop chaud pour le gardien. Plus tard. Faute, l'arbitre doit siffler. Bon, qui va le tirer? Il va peut-être marquer. Quel tir! Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. C'est un ballon gagné. Ouverture aérienne. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Glisse le ballon en profondeur. Encore une belle occasion. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Le ballon est expédié en touche. Belle passe. Nouvelle occasion de centrer. Tête plongeante. C'était presque au fond des filets. Et ça, ça aurait pu être un but fantastique. Avec cette tête plongeante, il aurait pu rentrer avec le ballon dans le but. Oh, que ça peut être dangereux sur ce compte. Le goal la bloque. Boutard.
Une telle cohésion est assez impressionnante. Ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Encore une belle occasion. Bon retournement de situation, il a le ballon. Attention, une action dans l'axe. Quelle belle demi-volée! Tire du droit, mais il en faut plus pour battre le gardien. Il peut frapper! Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Joe Bryan. Boutard. Le ballon est pour l'autre équipe. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon sort en touche à un très bon endroit. Repousser des points. Dégagé par le défenseur. Il n'a peur de rien. Oh, le tir rase le montant droit. Et vous avez vu comme il a éliminé, comme il s'est débarrassé de son adversaire. Malheureusement, il n'a pas pu ajuster son tir derrière. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Il envoie le ballon loin devant. Boutard. Il a vraiment une super couverture de balle. Bien joué de la part de la défense. Joe Bryan. Ce contre peut amener très loin. Joe Bryan. Il essaie d'y arriver. Attention à cette mésentente, ça peut être dangereux. Il est dans la surface. Il lâche une frappe. Et c'est dedans. Bien joué. Quel but merveilleux. Il est marqué à un moment important au cours de cette première période. Il n'y a qu'un renard de surface pour marquer un but pareil. Il a senti le coup avant les défenseurs et il a marqué le but comme il fallait. Et c'est ficelle. Il mène grâce à ce but. Voilà qui va faire plaisir aux supporters. La faute est claire, évidemment.
L'arbitre insistant a levé le drapeau, hors jeu. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Ouverture aérienne. Ça n'échappe pas au gardien. Le gardien avance et saisit la balle. Dans l'espace. Bonne réaction de la défense. Il est beau ce ballon dans l'axe. Le gardien a dévié la balle, corner. Ballon aérien. C'est pas mal sur le plan défensif. Le ballon a franchi la ligne. Encore une occasion de centrer. Percé dans la défense. Le dernier face à face. Oui, bien joué. Un deuxième but marqué juste avant la mi-temps. Là encore une fois, Christian, la finition est à la hauteur de la préparation. Il faut du talent pour marquer, mais il faut de la classe pour passer. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Une avance de 2 buts maintenant. Ils ont marqué le but qu'ils voulaient. Là, ils ont fait le break. Ça y est, c'est fait. Mais ils doivent quand même encore garder le pied sur l'accélérateur et faire attention à ce qu'ils ne se déconcentrent pas, surtout à l'arrière. Il va marquer. Il n'a pas pu saisir complètement le ballon, mais heureusement, le défenseur était là. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain, ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Long ballon aérien. Hors jeu, aucun doute là-dessus. Sans problème, beau contrôle. L'adversaire est un petit peu perdu, la position de balle en milieu de terrain est vraiment impressionnante. Ils ont passé les lignes arrières. Ils peuvent construire quelque chose. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. On
On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre. Il ne reste pas lourd à jouer. Il passe en retrait au gardien. Ça peut donner quelque chose. Nouvelle occasion de centrer. C'est un mauvais dégagement. Perte du ballon. Attention. Va-t-il trouver le bon timing? Long dégagement en avant. Fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça leur fera le plus. La deuxième période commence à peine. C'est parti pour 45 minutes. Tout va bien pour l'instant. L'équipe mène et l'entraîneur maintient sa confiance au même joueur. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. Que va-t-il faire maintenant? Oui, la demi-volée! C'est extrêmement décevant. En général, quand on a des occasions comme ça, il vaut mieux les mettre au fond. Hein, parce qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. De longue passe. Il intercepte le ballon. Il est hors jeu, c'est une évidence. Le ballon subtilisé par l'adversaire. Ah, personne à la réception. La balle est dégagée en touche. Encore une belle occasion. Ils échappent au danger au prix d'une remise en jeu. Il est dans la surface. Pas mal, mais ça manque de précision. Oh, il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Encore une occasion de centrer. Il fait une tête. Incroyable scénario. Encore un but. On pensait qu'il y aurait une réaction de l'adversaire et c'est eux qui marquent. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Visiblement, ils ont atteint leur régime de croisière, ils font bien circuler le ballon et le score est vraiment logique. Trois buts à rien, c'est du bon boulot. Là, on voit déjà que ça devient plus facile. Ils font la passe à 10, se créent des occasions. C'est un jour de gloire pour les attaquants. Bonne reprise du défenseur. Ils peuvent construire quelque chose. La balle est sortie, ici là. Propre. Ça peut être extrêmement dangereux. Encore une belle occasion. Il tente sa chance. Pas de doute, corner à leur faveur.
Chandelle. Et c'est dégagé. C'est mal joué pour la relance. Il va frapper de la tête. Non, c'est mal joué, c'est encore trop loin du but. La passe a été interceptée. Nouvelle occasion de centrer. Il va pouvoir marquer. Encore un but juste après la mi-temps, il ne s'arrête plus. Bien joué, voilà, ça c'était la surface qu'il fallait. Avec le pied gauche, en plus, il y a plus de puissance dans l'enchaînement et ça va plus vite. Superbe but. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Ça, c'est le match idéal. Moi, j'ai jamais vu une équipe autant torturer ses adversaires. Encore une occasion de centrer. Bien dégagé. Il s'est interposé au bon moment. En jeu, il faut surveiller le placement. Boutard. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Superbe ballon. Quelle frappe! Le portier récupère le ballon. Boutard. Bonne idée. Il frappe au but. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. L'entraîneur apporte quelques améliorations. La faute est manifestement délibérée. Oh, une passe en profondeur dangereuse. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Joe Bryan. Il déborde sur l'aile. Le ballon sort en touche. Et il a une chance à partir de là. Le portier l'a attrapé. 15 minutes dans la seconde période. Il a intercepté la passe. Joe Bryan. Tire de si loin. C'est extrêmement décevant.
Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Que va-t-il faire? C'est un nouveau corner. Ballon travaillé vers la cage. Que va-t-il faire? Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. Belle combinaison. Bien joué. Ce n'est pas fini. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous deux secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Et vous avez vu comme ses yeux se sont illuminés quand le gardien a relâché le ballon. Là, après, ses pieds ont fait le reste. Comme le score l'indique, c'est vraiment un super résultat. Et là, ça ressemble à une attaque défense. Hein. Le gardien se fait mitrailler depuis le début de la rencontre. Il va bientôt pouvoir se racheter une paire de gants. Il reprend le ballon maintenant. Ballon renvoyé en arrière. Bien vu. Oh, ce contre, il peut mener loin. Bouta. Il lui a piqué le ballon. Joe Bryan. Magnifique passe en profondeur. Du pied, dégagement sûr. Autour du goal de jouer. Et voilà une attaque sur l'aile. C'est dégagé. C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Et pourquoi pas tirer? Personne ne l'attaque. En général, on ne t'attaque pas, tu peux avancer, mais là, c'était bien de frapper. Et c'est le premier remplacement de la partie pour cette équipe. Dégagé par le défenseur. Et coup franc concédé à la suite de ce tacle. Qui va le tirer?
Nouvelle occasion de centrer. Interception de la défense. Bonne réaction de la défense. Hop, et là c'est carrément parti au poteau de corner. Ah, ça c'est un grand geste. Reprise de volée magnifique. Celle-là on aurait aimé l'avoir au fond. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Et c'est dégagé. Grosse erreur et coup franc. Plusieurs options sont disponibles. Pas moyen de passer cette fois. Ça ne fonctionne pas. Encore une occasion de centrer. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Le danger est écarté. Encore une belle occasion. Non, le tacle n'est pas bon, coup franc. Si près du but, il pourrait essayer de marquer. Et c'est une sortie de but. Il décoche une frappe. Le portier détourne au corner. Est-ce qu'ils vont y arriver? L'adversaire est sous pression avec cette touche. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Fin du match, l'arbitre en a décidé ainsi, c'est terminé.